sur une échelle de 0 à 100%, le Congo, selon vous, est foutu à combien de pourcents? En tout cas, tant qu'il y aura l'impunité, c'est même à 98%. D'accord. J'ai dit souvent à mes amis, même si on nomme Jésus-Christ comme premier ministre du Congo, on nomme Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, comme Dirkab, on nomme Abraham comme Dirkab adjoint, tant que certaines têtes resteront au gouvernement, Jésus-Christ là va échouer. Le vrai problème du Congo, c'est qu'il y a un groupe de gens qui ont pris ces pays en otage, qui sont devenus plus riches et plus forts même que la République. Il faut que les Congolais aient ce courage de dénoncer, que nous ayons ce courage d'aller contrôler, vérifier et récupérer de l'argent que les bandits ont pris.